Bonjour, Mr. Gilles, bonjour à toi. On va voir maintenant, toujours dans le cadre de la comptabilité générale et bien spécialement la séquence de l'amortissement, la définition d'un autre concept, c'est le taux d'amortissement. Il s'agit d'un pourcentage. Qui sera utilisé pour calculer la dépréciation annuelle d'une immobilisation. Voilà. Et bien, je donne exemple pour comprendre mieux. Calculer les taux des amortissements pour les cas suivants. Durée de vie probable, cinq ans, je donne trois exemples, mais huit ans, six ans et 8 mois. Et donc, réponse pour les deux premiers, c'est très simple. Taux est égal à mia la hamza. تساوي 20% الطو الثاني تساوي 100 على 8 كتساوي 12.5%. بالنسبة للثانية لي ديفيسيل، لاش؟ لأن عندنا الشهور. إذا عندنا 100 على ان، هي ديفينيسيون أنا أكتبها. La n en année. Idem en drap le focani le macam le bas tnash tnash. Va être réel ou elle ou. Idem tnash. Voilà. Et vous lis. Tnash n. Yanni pshohor. Idem chaladna elf ou miet et matrayas. Ou le kimla kisma. Tnash n chashora. 6 ans et 8 mois. Sta. Tnash. Minus 20 ou 8 et 8. Et déjà dit, voilà, on a terminé l'exercice. Merci de vos attentions. Jusqu'à la prochaine séance.